Les Français n'ont plus que ce mot à la bouche depuis dimanche, dissolution. Les élections législatives provoquées par Emmanuel Macron ont déclenché un raz-de-marée dans la vie politique française, dont on vit encore les soubresauts aujourd'hui. Bonsoir Maya Anaïs Yataghen, qu'est-ce que ça donne sur les réseaux sociaux ? Eh bien, la dissolution de l'Assemblée nationale, vous l'avez dit, a pris la France par surprise. Un scrutin qui arrive dans 21 jours, c'est du jamais vu, au point que sur les réseaux sociaux, certains internautes se sont même demandé si c'était très légal tout ça. Certains internautes, et non des moindres, deux anciens ministres de la Justice, dont Jean-Jacques Urvoas, se sont inquiétés en convoquant l'article L158 du Code électoral, selon lequel les déclarations de candidature doivent être déposées à la préfecture au plus tard à 18h, le quatrième vendredi précédent le jour du scrutin. Il a fait les calculs pour vous, ça devrait faire un premier tour le 7 juillet. Alors il fait référence en réalité à l'article 157, pas 158 du Code électoral, mais bon, c'est le bon texte, il est ici cet article qui effectivement stipule, dispose que il faudrait le quatrième vendredi avant. Sur le même article, un internaute ici affirme que Macron bafouerait le code électoral parce que le délai pour le dépôt des candidatures serait dépassé. Cet internaute, lui aussi, avait un calendrier et il affirme que pour un scrutin le 30 juin, eh bien effectivement, 1, 2, 3, 4 vendredis, ce serait bien le 7 juin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on est dans les clous ou est-ce qu'on n'est pas dans les clous? C'est tout simplement que cet article auquel ils font référence, c'est le code électoral, ça s'applique aux élections, sauf qu'une dissolution d'Assemblée nationale, ça dépend de la Constitution française. Et quand on regarde la hiérarchie des normes, la Constitution est au sommet, le code électoral est dans le bloc législatif en dessous. Donc la Constitution bat le bloc législatif. Et quand on fait un petit tour sur cette fameuse Constitution, article 12, je vais zoomer au maximum, les élections générales ont lieu 20 jours au moins et 40 jours au plus après la dissolution. Donc c'est bon, le délai, il est peut-être court, mais il est constitutionnel, sachant que ce délai courait jusqu'au dimanche 14 juillet, dernier délai. Alors on imagine difficilement un scrutin tenir place le 14 juillet. Rien n'empêche de l'organiser, mais bon, un jour férié, c'est difficilement imaginable. Je précise enfin que le décret, le dernier décret du président de la République a bien été publié et que c'est jusqu'au dimanche 16 juin pour déposer les candidatures. Tout est dans les clous. Le compte est bon. Beaucoup de Français ont en effet été très surpris par la décision du président de la République de dissoudre l'Assemblée. Et les raisons derrière son choix font également l'objet de rumeurs. En effet, parmi les rumeurs principales, il y a celle-ci. Alors, l'historien Marc Lazare était invité de nos collègues de Public Sénat et dit « Le président pourrait se retrouver avec une majorité ingouvernable, prendre à partie les Français et démissionner. Un débat constitutionnel s'ouvrirait, il pourrait se représenter, gagner et n'avoir plus que 8 mois de cohabitation. » Alors, au début de la Ve République, le président pouvait se succéder à lui-même jusqu'à l'infini. Il n'y avait pas de limite de mandat. La limite de mandat pour un président de la République, ça date de la réforme constitutionnelle de 2008. Le président de la République ne peut pas faire plus de deux mandats consécutifs. Et c'est ce mot consécutif qui nourrit un débat. Est-ce que si Emmanuel Macron démissionne, c'est la théorie de cet internaute, ça générerait une présidence par intérim par Gérard Larcher, le président du Sénat, et ça voudrait dire qu'il y a un président entre ces deux présidences et une élection potentielle pour lui. Donc ça pourrait générer un troisième mandat. Alors ça pourrait effectivement faire l'objet d'un débat constitutionnel, mais tous les constitutionnalistes les plus en vue en France vous disent que c'est très très peu imaginable, que ce n'est pas l'option à imaginer dans ce cas-là. Après deux élections, il n'y a pas de troisième élection, ce serait le sens du texte derrière la réforme constitutionnelle de 2008. Et de toute façon, Emmanuel Macron a été interrogé sur cette même question aujourd'hui lors de sa conférence de presse et a affirmé que non, il ne démissionnerait pas. Il faut tordre le cou à ce canard qui n'a jamais existé, a dit le président. Alors on va justement parler des résultats. Si l'extrême droite gagne les élections, est-ce qu'Emmanuel Macron sera obligé de nommer Jordan Bardella du Rassemblement National Premier ministre ? Alors c'est ce qu'a affirmé en tout cas Marine Le Pen sur le plateau de TF1. Je la cite, si les Français nous font confiance, Jordan Bardella sera Premier ministre. Alors une fois n'est pas coutume, retour à la Constitution française pour savoir ce qui se passe exactement. Ce qui se passe, c'est l'article 8, le président de la République nomme le Premier ministre. Ça veut dire que légalement, eh bien, il fait ce qu'il veut Emmanuel Macron. Il peut nommer absolument qui il veut. Sauf qu'il y a la loi et il y a ensuite les décisions politiques, comme l'expliquent nos confrères des surligneurs. Un Premier ministre n'a pas, juste après sa nomination,
a demandé, a engagé sa responsabilité du gouvernement. Il n'a pas à demander une confiance. Néanmoins, Gabriel Attal ne l'avait d'ailleurs pas fait. Néanmoins, c'est après que ça peut se compliquer, après ce vote de confiance dont il n'est pas, auquel il n'est pas tenu, car le Parlement ne serait pas de sa majorité et il pourrait décider d'activer une motion de censure en plus de ne pas voter les textes. Donc pour résumer, Emmanuel Macron n'est pas obligé de choisir Jordan Bardella en cas de victoire, il n'est pas obligé de choisir cela, mais historiquement c'est ce qui s'est toujours passé en France et c'est comme ça qu'en 1997, Jacques Chirac a dû nommer Lionel Jospin Premier ministre. Il était alors les mains liées, car c'est le Premier ministre en cas de cohabitation qui gouverne le pays. Les faits, rien que les faits. Merci beaucoup Maya Anaïs Yataghen pour Info ou un Talk. Je vous retrouve dans quelques minutes pour la suite de l'Actu 360. À tout de suite.